Bonjour, habitants de Yorvik. Je vois que vous êtes à la recherche d'une histoire de fantôme. Eh bien, laissez-moi vous raconter celle qui m'est arrivée il y a quelques années. C'était à peu près à la même période de l'année. Yorvik avait pris ses teintes orangées et les feuilles tombaient des arbres. À l'écurie Golden, tout le monde se préparait pour la grande randonnée d'Halloween, un événement que les cavaliers apprécient beaucoup et qui est devenu notre tradition de l'automne. Et comme tous les soirs, après avoir terminé mon entraînement et pris soin de mon cheval, je rentrais chez moi. Ouh, quelle journée! Les entraînements de préparation à la randonnée, ils m'épuisent. Je ferais mieux d'aller dormir si je veux être en forme. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Pitié, je vous connais pas, laissez-moi! Purée, c'est quoi ça? C'était flippant. Ah bon, c'était qu'un cauchemar. Tu as trouvé ton déguisement pour la randonnée ? Oui, tu vas voir, ça va être incroyable. Oh, salut Jade, on t'attend. Oula, t'as une mine affreuse, tu vas bien ? Ouais, ça va, j'ai juste fait un horrible cauchemar cette nuit, j'ai pas très bien dormi. Oh non ! C'était un rêve horrible. J'étais poursuivie par un cavalier sans tête sur un cheval enflammé. J'avais beau m'enfuir, il me rattrapait et à la fin, je peux même plus y penser. J'y crois pas, Jade, les histoires du palefrenier te sont montées à la tête. Allez, reprends-toi, les poules mouillées n'ont pas leur place dans la grande randonnée d'Halloween. Ouais, vous avez sûrement raison, c'est qu'un rêve après tout. Bon, il est l'heure de dormir. Pourquoi est-ce que je tresse autant comme ça? Les filles ont raison, je suis vraiment qu'une poule mouillée. Moi, bon, les Jade, un cauchemar, ça reste un cauchemar. Oh non, ça recommence. Ce rêve, il semble si réel.
Ça a recommencé. C'est pas une coïncidence, il se passe vraiment quelque chose. Faut que je trouve plus d'informations là-dessus. Bon alors, par où est-ce que je dois commencer? Non, pas ça. Tiens! Mythe et légende de Yorvik. Voyons voir. Blueman, non. Le mot épouvantail, non plus. Ah! La légende du cavalier sans tête? Parfait! Il était une fois, il y a bien longtemps, se trouvait dans les mers autour de Yorvik un navire en quête de nouvelles terres. À la barre se trouvait l'illustre John Jarl accompagné de son équipage. Le voyage se déroulait sans encombre jusqu'à qu'un navire pirate ne les attaque. La bataille faisait rage en pleine mer et la flotte de John Jarl connut beaucoup de pertes. Cependant, un homme brilla par son habileté au combat. Il s'agissait de Gunnar Thompson. Les jours passèrent et peu à peu l'équipage tomba sur une île. Ils y trouvèrent une dense végétation et des chevaux sauvages. Mais un jour, ils découvrirent des pierres uniques avec un langage étrange, symbole d'une présence humaine. John Jarl ordonna à Thompson de détruire les pierres pour que rien ne puisse venir à l'encontre de sa découverte. Thompson était nerveux. Il avait peur d'offenser les dieux de l'île, mais sa loyauté pour Jarl eut raison de ses peurs. Il envoya un de ses hommes pour détruire les pierres, mais celui-ci décéda dans un accident. Thompson réussit alors à faire tomber la pierre, mais il s'aperçut que quelqu'un l'observait. Bonjour, jeune homme. Laisse-moi t'offrir ce cadeau, auquel tu ne trouveras nulle autre équivalence en ce monde. Que voulez-vous ? Tu ne mourras jamais des mains des humains. La femme disparut et Thompson retourna vers John Jarl, qu'il trouva avec des personnes qui lui étaient inconnues. Il s'agissait des gardiens d'Aedin. Le temps passa et l'écurie Yorvik fut construite. Grâce à l'amitié construite avec les gardiens, John Jarl se vit offrir de nombreux chevaux. Mais étrangement, Thompson n'arriva à en approcher aucun, les rendant agressifs et nerveux. Très vite, des rumeurs se sont répandues. Thompson utiliserait de la magie noire et serait impur de la lumière d'Aedin. Mais un jour, Thompson tomba sur une imposante jument, d'un noir aussi profond que la nuit. La jument la laissa approcher et devint son compagnon. Malheureusement, les jours heureux prirent fin quand un rival de John Jarl lança une guerre pour prendre le contrôle de l'île. La bataille fut terrible. Tous les hommes de John décédèrent à l'exception de Thompson. Malgré son héroïsme, Thompson fut haï et tout le monde avait peur de lui. John Jarl lui demanda alors comment il avait pu rester en vie. Thompson lui raconta son histoire avec la sorcière et John Jarl en quête de l'immortalité devint alors jaloux. Il lui demanda de retourner voir la sorcière pour qu'elle lui offre la même chose. Thompson la retrouva donc à la brèche du Jarl et lui dit de lui couper une pierre spécifique vers les écuries pour que Jarl soit récompensé. Jarl s'exécuta, mais au lieu de recevoir une bénédiction, il lança une malédiction rendant tous les chevaux de l'écurie fous. Jarl décréta que Thompson l'avait trahi et ordonna son exécution. Thompson alla dire adieu à sa jument avant sa mise à mort. Quand les bourrons sont venus le chercher, la jument est devenue incontrôlable et un incendie s'est déclenché dans l'écurie, tuant alors la jument. Thompson, éteint par le chagrin, se fit trancher la tête par les bourrons. On raconte que depuis ce jour, Thompson arpente Yorvik à la recherche de sa tête et de sa vengeance. Waouh! Quelle histoire! En fait, Thompson était victime d'une injustice. John Jarl était jaloux et les villageois juste apeurés. Je vais y aller, je risque d'être en... Bouh! Non mais t'es folle, tu m'as foutu une de ces frousses! Ah, désolée, mais tu me semblais tellement concentrée. On va aux écuries ensemble? Ouais, allons-y.
Les filles, je voulais vous reparler de mes cauchemars. Oh, tu vas pas recommencer avec ça. Si, si, je suis très sérieuse. Je pense que ces cauchemars sont en quelque sorte des visions. Je sais pas pourquoi, ni comment, mais elles arrivent et je sens qu'on doit faire quelque chose. Je me suis renseignée sur cet homme. Thompson, là. Il semblerait que les légendes aient détourné la vérité. Thompson, il n'était pas en quête de vengeance, mais plutôt de paix. Et comment voudrais-tu lui donner ça? On ne sait même pas s'il existe réellement. Justement, si mes visions sont exactes, nous le rencontrerons demain, à la randonnée d'Halloween. Nous devons lui demander pardon de la part des habitants d'Urvik. Mais attends, et si tu te trompes et qu'il nous veut du mal? Je croyais que les poules mouillées n'étaient pas acceptées à la randonnée. Très drôle. Je vous force pas à venir avec moi, mais ça pourrait être plus rassurant de vous avoir à mes côtés. Je te suis. Bon, moi aussi. Vous êtes les meilleurs. Bon, il se fait tard. À demain pour la randonnée. Oui, j'ai trop hâte de voir vos déguisements. J'adore vos déguisements, on sera les plus belles de la rando. C'est vrai qu'on a mis le paquet cette année, tu ne trouves pas Jade? Jade, tu es avec nous? Désolée, je suis un peu tendue. Ça va aller, on est avec toi, tout va bien se passer. Allez, Ansel, on va louper le départ. Ça y est, on approche de l'endroit de mes visions. Restons groupés, les filles. Les filles? Les filles? Sérieusement, c'est pas drôle, là! Lou, Lilia, montrez-vous! Non, 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 c'était pas censé se passer comme ça. Allez Jade, courage, je peux y arriver. Thompson, je te veux aucun mal. Écoute-moi, je connais ton histoire et je sais que t'es mort dans la tristesse et l'injustice. C'était pas ta faute, t'as trahi personne. T'as simplement été victime d'une puissance sombre qui a été incomprise par tous. Les hommes, ils ont peur de l'inconnu, ils te prennent pour une menace. Mais aujourd'hui, t'as plus besoin d'errer. On sait qui tu es réellement et ce qui t'est arrivé. Je te demande pardon au nom de tout Urvik, Thompson. S'il te plaît, accepte mes excuses. Jade, 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 où es-tu? Oh mon Dieu, les filles, je pensais que je vous avais perdu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais là et d'un coup t'es partie. On a eu super peur pour toi, ça va? Je pense que oui, tout est réglé. Tu as vu Thompson alors? Ouais, je lui ai demandé d'accepter notre pardon et il a disparu. J'imagine qu'il t'a entendu, tu es la bienfaitrice des fantômes, Jade. Les filles, c'était la meilleure randonnée qu'on ait jamais faite. Bien d'accord avec toi, ce sera difficile de l'égaler. Vous avez raison, et d'ailleurs je pense avoir trouvé mon déguisement pour l'année prochaine. Et voilà, vous savez maintenant mon histoire et celle de Thompson. Depuis cette année-là, on ne l'a plus jamais revu à travers les champs et forêts d'Urvik.
Mais j'ai entendu dire que durant cette période de l'année, on pouvait tomber sur des sortes de portails menant dans un autre monde. Qui sait ? Peut-être que le galopeur a enfin trouvé le repos dans un lieu où il en est le maître.